وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبيتر الله المساجد الله صلى الله عليه وسلم annoncé dans un hadith authentique apporté par l'imam muslim que cette religion, l'islam, a commencé étrange et elle va redevenir étrange comme elle a commencé. Puis, il a invoqué, il a dit « Fatouba lil-ghuraba » que le paradis soit dû aux étrangers. Dans une autre variante authentique, il a été demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après qu'il ait invoqué trois fois فَطُوبَ لِلْغُرَبَا طُوبَ لِلْغُرَبَا طُوبَ لِلْغُرَبَا. Qui sont-ils aux messagers d'Allah? Il a dit, ce sont des gens pieux, d'un petit nombre, qui sont au milieu de beaucoup de gens mauvais. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahumullah jami'a, il viendra un moment, une époque sur les gens, où celui qui patiente sur sa religion est comme celui qui prend une poignée de braise dans la main, ou bien qui tient à pleine poignée une braise dans la main. Dans ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une réalité qui va arriver. Cette réalité est que plus on s'éloigne de l'époque de la prophétie, plus, en général, la corruption se répand. Cela ne veut pas dire qu'il y a des époques qui ne peuvent pas être mieux que d'autres. Il peut y avoir des époques qui sont mieux, puis moins bonnes, puis mieux. Mais en général, dans la courbe générale, cela ne fait que s'empirer. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a informé en disant « Les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Puis après cela, il ne viendra pas un siècle, il ne sera pas pire que l'autre. » Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe sur cette réalité. Quelle est cette réalité? Que le musulman pratiquant qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra une époque où il sera tellement bizarre, vu comme un étranger, comme quelqu'un qui vient dans une société différente de tout le monde. Tout le monde le pointe du doigt. Et lui, il se sent étranger et différent de tout le monde aussi. Du fait qu'il a des principes, qu'il croit en Allah et en son messager, qu'il s'attache à sa religion et que la majorité des gens prennent un chemin contradictoire à celui-ci. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc nous informe de cet état et nous donne des consignes, nous donne une indication. Cette indication est que la personne va trouver de la difficulté à appliquer sa religion comme un étranger, au point même qu'il le fait ressembler à celui qui tient une braise dans sa main, une braise brûlante. C'est-à-dire à chaque instant, il a peur de lâcher. Il craint d'ouvrir son poing et de s'égarer. N'est-ce pas l'état que beaucoup de musulmans vivent aujourd'hui? Ou quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé et il a dit « Dépêchez-vous de faire les bonnes actions. » Il va venir des tentations aussi sombres que la nuit noire. La personne se réveille le matin croyant, il se couche le soir mécréant. Ou il se couche le soir croyant, il se réveille le matin mécréant. Il vend sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait informé de cela. Et il a indiqué la manière de se comporter, se cramponner, patienter. Quand il a dit « sabiru ala dini », celui qui patiente, qui est constant sur sa religion. Car pratiquer les ordres d'Allah, ça demande de la patience. Il y a une certaine difficulté dedans. Il y a une certaine fatigue, un certain sacrifice à faire. S'éloigner des interdits, cela demande de la patience. Car shaytan, que ce soit les shayatines, hommes ou djinns, nous appellent à l'égarement.
De même, l'âme bestiale, elle penche vers le mal, elle appelle à l'égarement, aux passions, au péché. Donc l'homme est dans un constant combat. Et d'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, le combattant c'est celui qui combat ses passions. Et celui qui, la vraie personne qui a fait le hijra, c'est celui qui a exilé de sa vie les péchés. Donc, dans cette indication, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous indique comment se comporter en ce moment-là. Se cramponner, être constant, se cramponner tous ensemble à l'anse d'Allah, comme Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah tabaraka wa ta'ala a annoncé la grande récompense des patients, en disant dans le sens des versets, certes, seuls les patients reçoivent leur récompense pleinement, sans compter. Et Allah Ta'ala dit, dans le sens des versets, nous vous éprouverons certes un tant soit peu, par la peur, par la famine, et par la diminution des biens, des personnes et des récoltes. Alors, annoncez la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui, quand ils sont touchés par un malheur, disent, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que se fera notre retour. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé cette bonne nouvelle, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, où il a dit, il n'est pas une fatigue, ou une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à même l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé dans un hadith rapporté par l'imam Muslim que les tentations et les épreuves vont être présentées au cœur. Comme les bâtonnets d'une natte en osier sont présentés les uns aux autres. Là, il faut absolument qu'ils se touchent. Et il y aura deux manières de réagir. Celui qui va accepter ces tentations jusqu'à ce que son cœur soit aussi noir que le goudron. Il ne reconnaît ni le bien, ni le mal, sauf ce qui est en concordance avec ses passions. Et le cœur de celui qui va repousser du croyant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé à une pierre lisse sur laquelle aucune saleté ne s'accroche et qui restera blanc et que aucune tentation ne lui fera du mal tant qu'il y a les cieux et la terre, tant qu'il agit de cette manière. Donc l'épreuve et les tentations, la difficulté font partie inhérente de la vie de ce bas monde, car ce bas monde n'est pas le paradis. Ce bas-monde est un passage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne suis dans ce bas-monde que comme un passager, comme un étranger qui s'est ombragé à l'ombre d'un arbre, puis qui s'est levé et qui est parti. Donc ces tentations et ces épreuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait indiqué qu'elles allaient arriver et nous a encouragé à patienter et à rester ferme et à être fort, car Allah aime le croyant fort. Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Et de ne pas désespérer, de toujours placer son espoir en Allah, et de prendre aide auprès d'Allah, et de savoir qu'après la difficulté vient la facilité, et qu'après les épreuves vient l'ouverture, et que l'aide d'Allah vient après la patience. La victoire, l'aide, elle vient avec la patience. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous manque, d'apprendre correctement notre religion, de patienter dessus et de rester ferme, et d'accepter qu'on soit vu comme des étrangers. Car c'est la réalité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Par contre, celui qui va absolument plaire à tout le monde, jusqu'au point de vendre sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aussi son cas, et a annoncé que les contradicteurs, qu'ils soient de toute religion, toute philosophie, ou qu'ils soient chrétiens ou juifs, ils seront jamais satisfaits de nous jusqu'à qu'on suive leur religion. Ça, c'est une annonce d'Allah dans le Coran. Donc, cela nous pousse à rester fermes et à ne pas chercher à satisfaire qui que ce soit à part Allah. Et que si on peut se comporter correctement avec les gens, c'est ce qu'Allah nous a ordonné. On le fait pour Allah et non pas pour les satisfaire eux, ni quiconque. Et c'est comme cela que la personne gagne l'honneur et le raffermissement et la grande récompense demain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fanasallah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana ala nahji al-istiqama wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا